Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. Nous voilà déjà en octobre, c'est dingue comme le mois de septembre est passé vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, toujours le chapeau magique. En deuxième, le petit chat noir. Et en troisième, cette fois-ci, je vous ai pris la clé. Voilà. La magnifique petite clé. Pour les jeux qu'on va utiliser pour ce week-end, bah comme d'hab, l'oracle Euro, l'oracle des secrets de ma belle Iris et Léninac, le Magic Luna. Et pour le tarot, j'ai sorti mon Little Buddha Tarot de Push Kitty que j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, moi, j'ai l'édition limitée, voilà, numérotée. Hein, et je l'avais soutenu sur Kickstarter, je vous l'ai présenté. Et je le trouve trop, trop, trop mignon. Voilà, avec ce petit Bouddha. Voilà, donc ça c'est pour les jeux qu'on va utiliser. Bon, je n'ai pas encore tout sorti, comme d'hab. Je vais peut-être déjà commencer par le tarot et enlever les cartes. Youp, les cartes qu'il ne faut pas. Les cartes supplémentaires, etc. Et je ne l'ai même pas encore mélangé, celui-là non plus. Alors, sinon, ben, j'espère que vous allez tous bien. Le temps s'est largement refroidi. Hein. Maintenant, ils disent aux infos qu'on a un temps beaucoup trop froid pour la saison. On a eu trop chaud, maintenant on a trop froid. Enfin, moi, sincèrement, je préfère, je le dis toujours, mais quand on a froid, on sait rajouter un pull, une couverture. Mais quand on a trop chaud, ben, on sait rien y faire. On ne sait pas enlever notre peau et on est voué à avoir trop chaud. Voilà. Mais ici, on a déjà rallumé le feu au bois. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec... deux cartes de l'oracle des secrets. Du coup, j'espère que les énergies seront bonnes pour ce week-end. Je les ai trouvées un peu bizarres les deux semaines précédentes, je vous avouerai. On n'a pas envie de parler aujourd'hui. Il est muet. C'est rare. Alors, celle-là, vous voyez, hein, ouais. Parce que si je ne regarde pas dans le retour, j'ai parfois tendance à mettre hors champ. Enfin, ça, c'est surtout quand je vous fais les reviews. Et bon, on va prendre celle-ci. C'est envie de celle-ci. Voilà, comme d'hab. Je vais essayer de remettre tout bien. Et mettre tout chez Monsieur Poisson. Voilà. Mon oracle Ro. Qu'on ne présente plus. Hein. Youp, oulala. Lui, il a envie de parler, par contre. J'ai failli tout se faire envoler. Oh, 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 oh. Pas tout, et pas tombé. C'est à nouveau cette fameuse pièce du puzzle, pour dire qu'on ne trouvait pas sa place. Alors peut-être que ce week-end, on va peut-être avoir du mal à trouver sa place, à s'imposer, peut-être. Voilà. Alors, tchouk, tchouk, et voilà. Alors, le Magic Luna. Oh, bah. Il y en a une qui est retournée. Le choix. Je vais la remettre bien, du coup. Un choix à faire, peut-être. Peut-être que vous ne trouvez pas votre place. Et peut-être que vous allez devoir faire un choix, justement. Pour vous imposer. Pour trouver votre place. C'était déjà, il me semble, ce qu'on avait déjà eu plus ou moins pour un tas. Le week-end ou la semaine passée. Voilà. Et vous avez remarqué, j'utilise toujours le même. J'ai l'autre dans sa belle boîte avec les cartes plus glossy. Mais c'est comme si j'ai mis mes énergies dans celui-là, ben voilà. Maintenant, j'utilise toujours celui-ci. Et le Bouddha avec ses magnifiques tranches vertes. Vous les voyez plutôt bleues. Le dos est comme ça et ce jeu est trop mignon. Je l'aime bien. Bon, je ne l'ai pas encore mélangé. Et par contre, il ne se mélange pas des mieux. Hein. Il reste un peu accroché. Ça doit être le fini des cartes. Il fait ça. Oh, oh, bon. Hop! Elle a sauté toute seule. Le magicien. Bon, mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle avait aussi envie de suivre le même chemin. Il est bavard, le Bouddha. J'adore ce jeu. Il y a des fois, j'aime bien comme ça, des jeux cute, tout mignon. Et dans le même style, il y a celui sur Harry Potter et celui sur Alice au Pays des Merveilles. J'adore, j'adore, j'adore. Le seul truc, c'est dommage. Bon, comme c'est aux États-Unis, il y a toujours des frais de douane. Malheureusement. Voilà, c'est parti. On va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau.
L'été est derrière nous, hein. Ah ben voilà, le passé. L'été, du coup, la chaleur, festivité, l'allégresse. Bon, l'été, c'est soit la saison, mais ici, non, je pense pas. C'est plutôt l'idée, peut-être que ce week-end, vous allez vous dire qu'il est temps, peut-être, d'arrêter de tout le temps faire la fête. Peut-être aussi que vous allez être un peu moins dans la joie que vous l'avez été. La semaine précédente, on a vraiment ici l'idée de récolte. Hein. Peut-être que vous allez aussi récolter, comme on a le passé ici, ce que vous avez fait dans les semaines, les mois précédents. Ça pourrait aussi. Peut-être justement que vous allez récolter ce que vous avez semé. Si justement vous avez beaucoup bossé, bah vous allez maintenant, vous avez bossé évidemment dans les semaines, les mois, les années, peut-être aussi avant, bah vous allez récupérer maintenant les fruits de votre boulot. Et du coup, peut-être aussi que vous allez le fêter, mais si je verrais plutôt ça comme la récolte. Récolter tout ce que vous avez mis en place, hein, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être au boulot, ça peut être des projets perso. Alors vraiment l'idée de tout ce que vous avez planté, fait germer peut-être des projets, etc. dans les semaines, les jours, les mois peut-être avant, eh bien, ils vont vraiment arriver à maturation. Et vous allez enfin récolter le fruit de votre labeur, de ce que vous avez fait. Entre guillemets, on va voir ce que nous dit l'euro. Ici, on a la santé. Donc peut-être que justement, on a déjà eu hein, dans justement les semaines et les mois précédents qu'il fallait peut-être mettre des choses en place justement pour améliorer sa santé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était ressorti plusieurs fois dans les tirages. Ben peut-être qu'à ce moment-là, vous avez peut-être mis des choses en place. Vous avez peut-être planté des graines pour mettre des nouvelles choses en place, pour améliorer votre santé, comme quelqu'un m'avait dit qu'il avait pris rendez-vous chez une diététicienne, il me semble, eh bien, peut-être que maintenant, vous allez récolter les bénéfices par rapport à votre santé de tout ce que vous avez mis en place justement pour l'améliorer. Ça peut être un régime, peut-être vous avez arrêté de fumer, peut-être vous êtes mis au sport, des choses comme ça, et peut-être que maintenant, vous allez en récupérer, enfin, plutôt bénéficier de tout ce que vous avez mis en place pour améliorer votre santé. Donc, c'est tout bon. Le Magic Luna, engagement. Ici, je le verrai peut-être que vous allez continuer justement allez, vous engager plutôt à continuer vos efforts, à continuer ce que vous avez mis en place. Parce que justement, comme vous allez vous rendre compte que ça paye, que vous voyez vraiment les bénéfices peut-être sur votre santé, peut-être que justement, ça va vous motiver encore plus à les continuer vos efforts. Parce que peut-être que votre santé s'est peut-être améliorée, mais elle n'est peut-être pas encore tout à fait comme elle le devrait. Donc, en voyant les efforts et en voyant que ça fonctionne, ça va peut-être vous motiver à continuer, à vous engager, à les continuer ces efforts justement. Et du coup, peut-être que dans le futur, votre santé, ce sera encore plus amélioré. C'est tout ce que je vous souhaite. Ah, et ici, on avait le magicien. Le magicien, on dit toujours, c'est lui qui il a tout en main. Hein. Il a les cartes en main. Donc, vous avez les cartes en main pour réussir justement. Et c'est la carte aussi de l'efficacité, des souhaits qui se réalisent, d'avoir les cartes en main, exactement, de passer à l'acte, de s'y mettre. Donc, ça va très bien avec l'engagement, d'avoir les cartes en main. De savoir ce que vous voulez aussi, peut-être vous allez vous rendre compte que c'est justement efficace ce que vous avez mis en place pour améliorer votre santé et du coup vous avez les cartes en main, on vous dit que si vous voulez que ça continue à s'améliorer, vous avez toutes les cartes en main pour que ça aille mieux. Voilà, vous êtes sur le bon chemin en tout cas avec ce que vous avez mis en place. Donc j'ai envie de dire continuez vos efforts si vous voulez que ça continue sur cette voie-là. Voilà. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le chat. J'allais dire le chien, mais non, le chat. La chasse, on l'a déjà eu aussi, celle-là. Et la dague. Décidément, cette dague, elle nous poursuit de semaine en semaine, de week-end en week-end. La chasse, je vous dis toujours, pour moi, c'est l'idée de poursuivre un but, mais d'avoir vraiment quelque chose qu'on veut absolument. Parce que vous savez, les chasseurs, je vous le dis tout le temps. Ils lâchent pas l'affaire, hein, malheureusement, ils poursuivent leur comment est-ce qu'on appelle ça encore? Leur animal, je trouve plus le mot, leur cible, entre guillemets, jusqu'à ce qu'ils l'atteignent. Hein. Et peut-être que vous avez peut-être quelque chose que vous poursuivez, un but que vous avez vraiment envie d'atteindre, et peut-être ça fait déjà un moment, mais peut-être que
Ben, peut-être que soit vous n'arrivez pas à atteindre ce but que vous êtes fixé et du coup ben, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien évidemment parce que vous avez envie d'arriver à ce but. Ou alors ici ça peut aussi être quelqu'un qui vous trahit, qui vous entre guillemets vous plante un couteau dans le dos. Donc ou alors ça pourrait aussi être vu comme un harcèlement. Il y a peut-être quelqu'un justement qui vous a pris pour cible et qui prend un malin plaisir à vous faire de la peine, à vous blesser, à vous trahir, à vous faire des sales coups. Ça pourrait aussi. Je le verrais plutôt comme ça. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vraiment vous a pris pour cible et a vraiment envie de vous faire du mal. On va voir ce que nous dit l'euro. Et après le Magic Luna, la grand-mère. Ici, soit on... Bon, on va pas dire que c'est une grand-mère qui vous pourchasse, qui pour vous faire du mal, non. Je verrais plutôt... La carte de la grand-mère ici, soit ce serait une personne âgée qui vous aurait pris comme cible vraiment pour vous faire de la peine, une vieille dame, quelque chose comme ça, ou alors on vous conseillerait plutôt d'agir avec sagesse par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez qu'une envie, c'est d'exploser de colère et de lui en coller une, entre guillemets. Mais ici, on vous dirait... plutôt d'agir avec sagesse, peut-être de réfléchir aux conséquences aussi que ça pourrait avoir si vous agissez bah, de façon un peu violente. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes pris pour cible. Voilà. Peut-être la cible de plusieurs choses, mais ici. La guérison. Ah, donc peut-être que vous allez vous en rendre compte que c'était vous qui étiez pris pour cible et que vous avez, ça peut aussi être des choses qui se sont peut-être passées avant. Du coup, vous avez peut-être été pris pour cible et il y a peut-être quelque chose qui vous a fait beaucoup de douleur, mais peut-être que vous avez justement acquis une certaine sagesse et vous allez enfin aller de l'avant. Vu qu'on a la guérison, j'ai plutôt l'impression ici que ça vous a fait bah, grandir, entre guillemets. C'est souvent comme ça, les leçons des épreuves qu'on vit, bah, ça nous apprend des choses. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on évolue et qu'on change parfois des choses dans notre vie. On sait ce qu'on n'a plus envie de vivre et on met tout en place pour que ça n'arrive plus. Donc ici, vous avez peut-être appris en sagesse et du coup, vous allez peut-être enfin arriver à tourner la page, à aller de l'avant et à aller mieux par rapport à cette douleur que vous avez pu ressentir. Ah, ben ici, on a l'as de coupe. Justement, l'as, c'est l'étincelle, le nouveau départ et les coupes, c'est justement ben, tout ce qui est lié aux émotions, à l'affectif, etc. Début de quelque chose qui vous plaît, une ouverture affective, un bon ressenti aussi. Donc peut-être que vous allez bah, justement apprendre de reprendre de la enfin avoir plus de sagesse du coup et du coup vous allez arriver à passer outre cette situation et peut-être que vous êtes sur le nouveau départ, vous allez peut-être arriver à repartir sur de bonnes bases et avoir des relations peut-être plus saines autour de vous. Voilà, pas mal, pas mal. Si vous guérissez du coup et que vous apprenez en sagesse, ça ne peut être que bien. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. On a la femme et le coq. La femme avec le féminin, la femme ou la mère, et le coq, l'orgueil, l'arrogance et la complaisance. Ici, qu'est-ce que ça pourrait dire? Vous allez peut-être être confronté ce week-end à de l'arrogance ou à de l'orgueil par rapport à une femme. Il y a peut-être quelqu'un bah, que vous connaissez, que vous fréquentez, qui va peut-être faire preuve d'arrogance autour de vous. Ou alors ça pourrait être vous aussi qui pourriez peut-être faire preuve d'orgueil. Parfois on a du mal à admettre qu'on a tort aussi. On va voir ce que nous disent les autres cartes pour voir. Ah, la noyade. La noyade, bah, ici, c'est pas une carte, c'est pas ma carte préférée non plus. Peut-être que vous avez, ici j'ai envie de dire... Peut-être que vous avez l'impression de vous noyer un petit peu, peut-être dans les problèmes, le boulot, la surcharge de choses à faire. Et peut-être que vous êtes trop orgueilleux, justement, pour l'avouer et pour demander de l'aide autour de vous. Donc peut-être ici,
C'est peut-être un petit peu un petit cri d'alerte qui vous dit que bah, si vous êtes vraiment en burn-out, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus gérer, bah, il serait peut-être temps de mettre votre orgueil de côté et peut-être demander de l'aide, soit à une personne compétente, hein, ça peut être un psy, soit à votre entourage, de peut-être essayer de vous délester de certaines tâches si c'est possible, ou au boulot, d'en parler à des collègues. Ben voilà, on a vraiment l'idée de mettre son orgueil de côté là pour justement trouver de l'aide pour arriver à garder la tête hors de l'eau et à pas se noyer dans les problèmes, les surcharges de boulot, etc. Ici, on a la progression. Donc j'ai envie de dire, si vous arrivez à mettre votre orgueil de côté et à garder la tête hors de l'eau, ben, je pense que vous allez remonter. Vous allez arriver du coup beaucoup plus facilement à affronter les épreuves, hein, les problèmes, et vous allez remonter ben, les échelons, entre guillemets, petit à petit. Peut-être que vous êtes maintenant tout en bas de l'échelle, hein. C'est ça que vous vous sentez noyé, vous n'en pouvez plus, mais peut-être que si vous mettez votre orgueil de côté et que vous arrivez à demander de l'aide, à en parler, ben, peut-être que vous allez réussir à remonter petit à petit et à vous sentir beaucoup mieux, forcément. Donc ça colle bien tout ensemble, hein. Et ici, on a le roi de Pentacle. Regardez comme cette petite vache est mignonne comme tout. Et le roi aussi, il est trop mignon. Les Pentacles, c'est toujours la cour des bah du je vais y arriver hein, du matériel oui du matériel de l'argent aussi et le roi de Pentacle c'est celui qui fait fructifier qui possède qui maîtrise aussi donc ça va bien avec ça. Peut-être que vous allez mettre votre orgueil de côté et vous allez demander de l'aide et du coup vous allez arriver du bas de l'échelle à remonter petit à petit, entre guillemets, vers la surface, hein, vers moins de soucis, etc. Et bah, ici, le roi de Pentacle, justement, vous allez peut-être justement maîtriser un peu plus vos ennuis et arriver à remonter l'échelle, justement. Et peut-être justement, bah, du coup, vous allez avoir plus. Moins de soucis aussi financiers, ça pourrait aussi, hein, que vous avez peut-être là, avec cette carte de la noyade, ça pourrait être vous noyer peut-être financièrement aussi. Peut-être que vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts avec tout ce qu'on entend maintenant aux infos en plus, c'est de plus en plus. Et peut-être que vous allez mettre votre orgueil de côté, peut-être demander de l'aide à des organismes ou à la famille, je ne sais pas, pour avoir peut-être une vie, enfin, avoir un peu des finances un peu plus. Allez, meilleur. Et bah du coup, vous étiez peut-être en bas de l'échelle. Peut-être que justement, bah, ça va peut-être remonter vos finances. Et du coup, bah, vous serez nettement plus à votre aise au niveau financier. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé. Bah, ma foi, ce ne sont pas de trop mauvaises énergies pour ce week-end par rapport au week-end précédent. Voilà, ben du coup, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite, sûrement à demain pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!